Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Warriors 3 Hopes. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons poursuivre avec la carte de guerre et faire je ne sais plus quoi. On n'a pas fait l'annexe, on va faire le combat, voilà, la bataille finale. Non, pas du tout, la bataille du niveau. L'attaque éclair de l'ouest de l'Empire niveau 41, on s'était mis en mode facile. Il reste encore des personnes prêtes à se battre pour protéger l'Empire. Malgré ces nouvelles brutalités, vous devez les vaincre avant de pouvoir avancer vers la capitale. Let's go. On va faire le combat, donc l'attaque éclair de l'ouest de l'Empire. Le combat, on met des niveaux simples, comme ça, une, je peux jouer d'autres personnages, et deux, je mets pas 1000 ans à faire le combat, moi je veux l'histoire, voilà, je n'ai plus à rien à tirer du gameplay, j'ai envie de vous dire, même si en vrai si, mais ça m'intéresse plus tant que ça, c'est l'histoire qui me plaît, donc c'est ça que j'ai envie de suivre, donc c'est pour ça que je me mets en mode facile. Les maisons Gerth, Essar, Lochin et Ouch, ou Oaks plutôt, je n'arrive pas à croire que nous leur faisons face toutes ensemble. Il y a un Zef de fou. Ça devrait pas s'entendre, mais... À quoi vous attendiez-vous de leur point de vue? C'est une invasion et c'est eux qui la repoussent. Ils se battent pour protéger leur foyer, leur famille et leur mode de vie, comme nous nous battrions pour protéger les nôtres. Nous ferions mieux de ne pas l'oublier, et assurez-vous d'annoncer la même chose à ceux sous vos commandements. Oui, votre majesté. Yes. Déclare votre détermination, déclare votre citation. On est déterminé. Se sentir coupable ne changera pas grand-chose. Nous devons encore nous battre et nous devons encore gagner. Vous avez raison, c'est la seule manière dont nous ramènerons un jour la paix en Faudland. Il n'y a pas de retour en arrière, pas après ce que nous avons fait, mais je ne regrette rien. Je crois en la voie que nous suivons, celle qui nous mène vers la prochaine bataille. Une paix durable t'attend après ce combat, tu as mon pouvoir pour le mener à bien. Peu importe ce que chacun de nous peut dire, Facocher, vous savez ce qu'il y a à faire. Nous aurons tout le temps de nous recueillir une fois que tout ça sera fini, alors suivez le plan et ne regardez pas en arrière. Nous sommes ici parce que nous croyons en vous, votre majesté. Je vois, avoir votre confiance à tous me donne du baume au cœur. À chaque fois que j'ai perdu la voix, vous étiez tous là pour m'aider à la retrouver. C'est la moindre des choses que nous puissions faire en tant que sujet, comme en tant qu'ami. Tout semble en ordre, votre majesté. Navré, est-ce que j'interromps quelque chose? Non, nous venons de finir. Nous aurons besoin de votre force dans cette bataille, Rodrigue. Vous l'aurez. Montrons à ces racailles impériales qu'on ne plaisante pas avec le peuple de Fergus. Ok, ok. Alors, persuasion de constance, persuasion... Ah non! Il me manque des points. Je pense que si je fais des sifflets de guerre, ça suffit. Hein. Pam palin. 10 ressources stratégiques, ouais, c'est ça. Bon, on va tout prendre. On rachètera des machins. Mais là, c'est Linhart et Constance. Hein. Je peux pas me permettre de les oublier. Là, je crois pas que sur le violet, je puisse faire un sifflet. Hein. Ouais. Elle fait quoi celle-là? On peut utiliser que des unités masculines ou féminines. Durant cette bataille, vous infligerez et subirez des dégâts accrus. Ok. Une impression déjà vue, l'attaque éclair de l'Est. Blablabla. Plein, plein. Ok, on passe directement à la bataille. Aucune, persuasion de constance et de Linhart. Parfait. Bien fourni, protection du... Ça, c'est si on avait fait les deux autres, mais on s'en fout. Tant que je peux persuader les persos, moi ça me va. Donc, on va mettre évidemment chaise, on va pas mettre d'élu. On peut mettre Félix, même si. Non, Félix n'est pas. Félix n'est pas bon là. On peut mettre Dorothea, elle a l'air puissante. Enfin, elle est puissante. Mercedes, on peut la laisser. C'est une alliée. Annette, on va la mettre en dos. Sylvain. Bernadetta, c'est pas mal. Rodrigue, non. Ingrid est pas mal. Dimitri, il est déjà, non? Oui. Ok, est-ce que je joue Ingrid? Pourquoi pas? Ça fait, on n'a jamais joué Ingrid ou peu. C'est pas mal comme ça. Toi je te mets avec Chaise, toi je te mets avec Dorothea, toi je te mets avec Ingrid et toi je te mets avec avec Dimitri. Allez. Parce que H tu sers à rien. Non, c'est H qu'on va virer. H il est rouge partout. Raphaël. Ouais mais Raphaël c'est un... Non Raphaël, il... oui c'est Raphaël, il est chez Claude. Bon c'est pas grave. Mettre Raphaël quand même. Pin, palin, pin, pin. Alors attendez. Moi je te mets là.
Toi, je te mets là, j'ai dit. Toi, j'ai dit, je te mets là. Toi, je te mets là. Rotel est avec moi. Ok, Bernadetta. Mais non, pas avec moi. Pas avec Dorothea, avec... Ok, avec Bernadetta, parfait. Il est où l'autre? Mercedes, viens là, hop. Alors, capture les bastions de la ville, ok. Parfait. Je vais y aller, hein. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et ensuite, on va prendre Ingrid avec Raphaël. Ou Rodriguez, ça marche aussi. Et Dimitri avec... avec Raphaël. Hop. Chef de bastion, il dégage. Là, je préfère l'attaque à la défense. Toute cette histoire ne me dit rien qui vaille. Ça, c'est fait. Tu peux les taper, eux, hein. Hop. Taper lui. T'as toujours été la star. Paf. Aïe. Quelque chose que je suis assez à trouver que c'est un peu trop facile. Après, c'est parce que... on est en mode facile, hein. Lol. Non, effectivement, ils font exprès. Bon, ça tabasse pas assez là, je trouve, hein. C'est des merdes autour de nous. J'arrive pas à voir où est Mercedes. Elle est où, Mercedes? Elle est censée être avec nous, je la vois pas. Ah, ben, chaise, il a pris le bastion, ok. C'est là, on devrait être tranquille pour un moment. Moi, je sais pas. Et ils sont pile à l'heure que toutes les unités sont en marche en descendant du fosse du royaume. Monica, donc. Tous les impériaux ont ouvert les portes pour envoyer des troupes. Renfort ennemi. Ouais, général ennemi. Ok. Là, tu dégages. Nombreux. Paladin, paladin. Hop. Mais aïe. J'ai dit que je voulais faire ça, moi. Voilà. C'est quand même plus efficace. Là, je peux pas passer. Là, tu dégages. J'essaie de prendre ça. Chef de bastion. Hop. Tant. Ok. Parfait, je peux pas envoyer une grille là-bas. Hop. The strongholds belong to us now. Still, it all seems to be going too smooth. Les bastions nous sont à nous, mais j'ai quand même l'impression que c'est trop facile. Ok. Monica se barre. Évidemment que si. Ah, voilà, poursuivre, Félix. Il y a trop de fierté. C'est pas notre objectif, nous devons d'abord prendre la bastion pour pouvoir assiéger l'ennemi. Ah, mais là, on... on peut pas passer. Ok, bah attends, Dorothea, c'est bien qu'il y aille. Ah, bon, on peut pas y aller. Je suis obligé de passer par là. Bah non, je peux pas. Juste, je peux pas y aller, quoi. C'est fermé. Comment on fait pour passer? Les bastions sont verrouillés.
un peu problématique, non? De Monica. Faut activer le truc. Il y a un machin à activer. Coffre de base à tuer. Il n'y a aucune porte, hein. Gardien de la porte. Ah, voilà. C'est qu'il faut tuer, ok. Vaincu le gardien de porte, la porte de bastion est ouverte. Parfait. Je vais se baisser dans mon piège. Temporairement battu en retraite. Pas laisser passer cette opportunité. Un manteau à ses alliés vient d'apparaître. Non mais ils sont venus ces couillons là. Qu'est-ce que tu fous là, Dorothea? Ok, il y a des méchants ici. Je vais taper eux. Bon, il ne fait rien. Hein. Alors, Hanuman, qu'est-ce que tu fais là? Hanuman a lancé une attaque magique contre les troupes royales. Dans du cadre, repliez-vous. Linhart et ses alliés viennent d'apparaître. Ah! Linhart! On va essayer de te convaincre de venir. Von Erwring. Présent, recevant le filet, nous ne pouvons pas perdre contre aucune des unités avant de les avoir encerclés. Je suppose qu'il va y avoir Constance aussi qui va venir. Naboo de Linhart. On va contrôler les chaises avant qu'il le tue. Constance, ses alliés, persuasion de venir. Ok, persuasion de Linhart, persuasion de Constance. Constance veut nous mêler. T'inquiète, Constance. Je sais pas encore, mais tu vas te battre pour l'équipe ennemie en fait. C'est la stratégie. La boule de Linhart avant de l'enrôler. On va lui parler, s'il vous plaît. Hop, persuasion de Constance. Les soldats restants. Ok. Ici la stratégie. Alors Linhart est là. Ne m'attendez pas à ce que vous arrivez jusqu'ici, votre persévérance est vraiment fatigante. Ne t'inquiète pas Linhart, ça va pas s'arrêter là. Un petit A. Paf. Et non, t'as pas besoin de jeter ta vie comme ça. Tu peux nous rejoindre. Voilà. On va te changer de camp, mais on pourrait au moins essayer de se battre. Tu as pu le dire avant de me. C'est cruel quand même, mais d'accord. Mais t'aurais pas accepté. Quand même. Pas cool. On serait capable. Hein. Hop. Allez, Constance. Elle vient d'apparaître. Il faut les tuer. On va essayer de capturer les bastions quand même. Allez, Constance. Je ne pourrai jamais me résoudre à vous tuer. Elle laisse donc que je souffre une humiliation encore plus grande. Mais pas du tout. Bah, on a juste enrôlé Constance. L'embuscade a échoué. Non, nous devons les arrêter. Paf. Le comte Essar. Les renforts sont en chemin. L'heure est venue de relancer notre attaque vers la citadelle. La boue du baron Hawke. Ah, je suis allé en plein dedans. Les faits d'ici signifieraient l'invasion de mes terres, je ne peux pas me le permettre. Mais t'as pas le choix en fait. Tu vas être envahi, mon troupeau. Vaincu le comte Essar. Viens me cibler, lui. Il me saoule, merci. Il y en a un autre. Ok. Bah là c'est lui qui est en front line, hein.
Hop. Merde, elle a pas de chance. Quoi? Merde, ils ont pris le bastion alors que vous êtes deux en bas, mais vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma tronche. Je peux passer là. Hein. Vas-y, mon con. Ah, mais il y a le baron aussi. Attendez, il faut aller reprendre le bastion déjà. Il y a trop de monde. C'est bien problématique. Bon, t'as, tu prends très cher, je trouve. C'est juste un chef de bastion, quand même. C'est plus que c'était. Ok, ça dégage. On reprend le bastion. On va tuer le baron Gringer là. Non, Gallinger. Ça va mal. Ok. Vous êtes... Il y a chaise ici aussi. Non, mais faut arrêter de déconner. Ils sont 4 là. Ça va pas. Faut aller l'aider, le pauvre là. Pauvre Dimitri. Là. Il est en panique. Ils sont 1000. Allez hop. Vraiment qu'il est complètement fumé. C'est-à-dire qu'il est niveau 72 face à niveau 40. Hein. Heureusement. Heureusement par ailleurs. Paf. Mon épée n'est pas assez forte. Pardonne-moi, Monica. Mais d'accord, c'est son père, le baron Hawks. Hein. Ouais, c'est ça. Monica vient de réapparaître. Monica Hawks. Von Hawks, évidemment. Ouais, t'inquiète, tu vas le rejoindre très vite, je crois. Hop. Et le dessus auparavant, mais pas cette fois. Monica aussi, il est peut-être temps pour nous de rejoindre vraiment la bataille. Bah oui. Faut pas la regarder mourir. Allons-y, Anne-Man. Bah, trop tard, hein. T'as pas le temps de sortir qu'elle va mourir. Paf. Lol. Vous avez vaincu Monica. On ne peut pas mourir ici, je ne... Hop. Bon. Vous êtes deux là quand même. Anne-Man. Allez voir Manuela. Oh non, Manuela, on peut pas la convaincre avec Dorothea quand même. Pourtant, on a réussi à l'enrôler. On s'entend bien les deux. C'est bizarre qu'on puisse pas enrôler Manuela non plus. Vous voyez? Anne-Man von Essar. Bon, on vient de buter ton oncle, ton frère là, parce que. On a buté un baron Essar là. Il m'a fallu en forme d'espoir de soigner. Il arrive Anne-Man, hein. Ça, c'est full heal. Il faut magie blanche. Si elle continue à soigner comme ça, cette bataille ne se terminera jamais. Faut que nous malouer là d'abord. Ah ok, le soigne en boucle. Okay. Vous avez l'effort de me sauver, mais merci quand même. ok. Toujours viser le soigneur d'abord. Hein. Manuela Casagranda. Bon, un visage familier sur le champ de bataille est vraiment terrible, mais je ne reculerai pas. Ok. On doit combattre pour en sauver d'autres. Bon, une époque trouble. Pas de faire avec le professeur Anne-Man. Bah oui. Donc, devenu le général de l'Empire pour Saint-Manuela. Les autres ont fait preuve de bravoure, je dois persévérer moi aussi. Non. Beaucoup plus loin. Ils sont très éloignés. On va soigner quand même. Fin de prend cher.
Yep. Désolé, je préfère tu l'as déjà dit que tu préfères l'attaque à la défense. Désolé Manuela. Ok. Je dois me replier, ok. Bon bah si elle battu en retraite, ça veut dire qu'Anoman ne sera plus soigné. Évidemment. T'as deux blaireaux en bas, on sait pas ce qu'ils foutent. Qu'est-ce que vous foutez là, Dimitri et compagnie là? Ingrid et Dimitri, ils tapent Cosette. Allez buter Anoman, c'est pas possible. J'ai cliqué à côté, hein, je sais. Ok. Dorothea, tu vas faire lui. Toi, tu vas faire lui. Et toi, tu fais Anoman. Oui, Dimitri, ok. Allez, zou. Aïe. Tu l'as déjà dit. Au revoir, Anoman. On l'a vu. On l'a vu, Raphaël. T'auras le droit à un gigot. J'entraîne la force de ma vie et tuer des innocents. Vous avez le cœur de prétendre défendre la justice. Bah oui, tout à fait. Peut-être un pied dans la tombe, mais je ne mettrai pas le deuxième pour l'instant. Ouais, c'est bien le man. Hop. Et chef de bastion qu'on va essayer de taper assez rapidement. Ça a l'air d'être fait. Hop. Ils auraient été niveau 70, ça aurait été pas la même, la même bataille. Hein. Pas se mentir. Enfin, faut dire que j'ai niveau 52. Ça aurait été tendu autrement. Ok. Parce qu'il y a capturé tous les bastions, bah voilà. Voilà, ils ont fait ce que nous avons pu. Ça n'est pas pourtant de sortir du Gareth. Le général doit chercher à venger ses soldats. Attention à vos paroles, j'ai beaucoup de morts à venger à présent. Ok. Gareth a ouvert les portes. La bouche du Gareth. Enfin, Gareth. Allez, hop. Ensuite, total. Protéger à tout prix. À tout le cost, ouais. Empire d'Adrastia, le duc Gareth, quelle ironie. Mes terres ont toujours œuvré pour la paix et ce sont pourtant les premières touchées par le feu de la guerre. Coup du jour, monsieur. Et vous allez mourir en plus. Avant de dire bonjour. Paf. Et voilà. Il n'est pas mort? Il n'est pas mort? Incroyable, il a survécu. Paf. Allez. Un prêtre vient d'apparaître. Comment ça? Dégage le prêtre. Dégage le curton. Hop. Ok, il s'est fait soigner. Il s'est fait soigner. Paf. En train de crever, mon gars. Et ben voilà. Palalala. Je ne peux pas périr ici, je dois protéger l'Empire. Le duc Gareth a battu en retraite. Gareth. Faut que j'arrête de l'appeler Gareth, c'est juste Gareth. Nos ennemis ont combattu vaillamment, j'ignore combien de temps nous pourrons continuer. Nous avons pris la citadelle, la victoire est à nous, chevalier de Fergus. Yes. Niveau terminé, parfait. Yes partout en plus. Tintin, on a réussi à gagner un niveau avec, avec chaise quoi. Et Dimitri aussi. Ils ont tous pris un niveau. Et lol. Évidemment, héros chaise. Qui a pris 0 XP là. Hop, 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 hop. On a un niveau de soutien supplémentaire. On a plus deux persos. L'ennemi s'est battu comme s'il était possédé. Au moindre faux pas, ça en aurait été fini de nous.
Les nobles impériaux se battront jusqu'au bout pour protéger leur foyer, comme nous le ferions à leur place. Je vous suggère de vous y habituer. Les adversaires que nous affronterons dorénavant nous frapperont avec la même vigueur. C'est donc tuer ou être tué, hein? Je suis épuisé rien que de penser à ce qui nous attend. Ne te plains pas, ne faisons que restaurer la paix en Faudland, tu te souviens? La fameuse guerre pour restaurer la paix. Je ne peux pas dire que je vous en veuille de vous inquiéter. C'est une campagne difficile dans tous les sens du terme. D'abord, le terrain, que nous connaissons mal, favorise grandement notre ennemi. Et quelle que soit la noblesse de notre cause, la culpabilité d'envahir nos voisins pèsera toujours sur notre conscience. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons faire volte-face maintenant. Si le royaume de l'Empire et l'Empire ne peuvent pas coexister, il n'y a pas d'autre choix que de lutter. Il a raison. Nous savons tous ce qui se passera pour Ferragus si nous resterons les bras croisés en laissant Adrastia faire ce qu'ils veulent. Alors, vous saisissez tous la gravité de nos actions, mais avez choisi d'avancer malgré tout. Il semble que nos futurs seigneurs soient devenus encore plus forts que je le pensais. L'avenir de Ferragus s'annonce des plus radieux. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire est de féliciter nos soldats pour leur triomphe, et bien sûr leur demander de continuer leur marche. Quand le soleil se couchera sur cette guerre, seul notre roi subira le fardeau du vil surnom d'envahisseur. Ne mettez pas tout sur lui. Il vous incombera à vous de le soutenir à ce moment-là, Félix. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est votre devoir en tant que bouclier de Ferragus et descendant de l'héroïne Fraldarius. Évidemment. Rodrigue, il est tard, vous ne dormez pas? Non, je peaufine des propositions de stratégie pour le conseil de guerre de demain. Plus j'avance, plus le processus sera facile à mettre en place le moment voulu, ce qui rendra la tâche plus facile pour Sa Majesté le Roi. Même quelqu'un de sa force croulerait sous le travail si tous les conseils étaient menés de façon approximative. Il dort déjà très peu, n'est-ce pas? Je le vois parfois assis à son bureau, la tête posée sur les bras. J'imagine qu'il se rebosse quand il peut. Oui, il me rappelle en ça son prédécesseur. Lambert était aussi monté sur le trône très jeune, trop jeune si vous voulez mon avis. L'ancien roi a eu beaucoup de mal à s'adapter aux rigueurs du pouvoir. Vous avez dû vous connaître longtemps, j'ai entendu que vous étiez ensemble à l'Académie des officiers. La question me brûle les lèvres, Dimitri ressemble-t-il tant que ça à son père? Vous avez du mal à différencier s'ils étaient dans la même pièce. Ceci dit, Lambert était d'un tempérament plus tempétueux. Mais quand bien même, ils sont comme les doigts de la main comparés à mon fils et moi, et qui nous ressemblons comme le jour ressemble à la nuit. Bah, y a des points communs quand même. Moi, je trouve que vous ressemblez. Lui comme vous, êtes toujours les premiers à prendre l'initiative lorsque quelque chose d'important se présente. Voilà déjà qui me joue sans flamme. Assurez-vous que de dire cela à Félix aussi. Je crois aussi que nous avons des traits communs, mais pour la plupart, dont il aurait aimé ne pas hériter. Comme quoi, il éprouve un besoin vital de poursuivre de grands desseins qui le poussent en avant. Une telle vie ne connaît pas de répit, je suis bien placé pour le savoir. Je me suis dévoué corps et âme au service de Lambert. Et quand il a été perdu, j'ai moi aussi perdu ma raison d'être. Je n'ai eu d'autre choix que de chercher un autre moteur pour continuer à avancer. Après avoir pendant longtemps sondé mon âme, j'ai finalement pris la décision de me mettre à nouveau au service de Lambert et d'honorer ma promesse. Quelle était-elle? Que si son fils devait un jour s'égarer, je serais là pour le remettre dans le droit chemin. Mais je ne serai pas toujours là. Heureusement, Sa Majesté a la chance de compter dans son entourage des amis comme vous, qui sont prêts à soulager la charge qui pèse sur ses épaules. Au lieu de ça, mais de mon point de vue, c'est plutôt Dimitri qui m'a aidé tout ce temps, et pas l'inverse. Mais c'est toujours un donné pour un rendu. Vous aussi avez fait beaucoup pour moi. Je suis heureux de vous entendre dire ça, mais pour être honnête, mes défauts ont pris le dessus sur mes qualités ces derniers temps. Il ne suffit pas de se tenir à ses côtés, il a besoin de quelqu'un qui le prenne par la main et le tire dans la bonne direction. Et vous ne pensez pas en être capable, même avec l'aide de Gustave? En fin de compte, lui et moi, nous ne sommes rien de plus que des serviteurs du roi. Nous n'avons pas sa vision de Faudland. Mais vous êtes sur un pied d'égalité. Le roi et vous êtes amis. Un tel lien est une chose rare. Dimitri est mon roi, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout mon ami. Que je ne sois pas un noble facilite certainement les choses. Notre amitié pourrait-elle venir de là? Si je me souviens bien, vous êtes né sur le territoire de l'Alliance, n'est-ce pas? Oui, dans un village de montagne reculé en Ordelia. Pour être honnête, je ne me souviens guère de plus. Et avec cet étrange pouvoir que je possède, il est difficile de dire d'où je viens réellement. Je pense que votre origine et vos pouvoirs importent peu. Le seul de votre curiosité, cela va de soi. Mais ce n'est pas pour vos parents que nous avons placé notre foi en vous. Les relations que vous avez tissées depuis votre arrivée ici transcendent les liens d'une parenté incertaine. Oh, quelle noblesse de caractère chez cet homme. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes là, j'espérais que vous pourriez me faire part de vos lumières, hein, parce que me faites part, non. J'aimerais avoir votre avis de mercenaire sur le lieu idéal pour tendre une embuscade, et où nous devrions placer nos archers. Vous avez frappé à la bonne porte, laissez-moi voir. Nous allons sauvegarder, et nous n'allons pas commencer le prochain chapitre, puisque ce sera dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci, et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.